Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver le mot de passe. Mais ici, ça sera par lecture. L'autre fois, on avait fait une vidéo, mais cette vidéo-là, il va passer le mot de passe carrément. Mais cette fois-ci, on va lire le mot de passe, c'est-à-dire voir le mot de passe par fermer la machine et faire entrer encore le mot de passe. Ce qui permet de faire ce travail, c'est off-crack. C'est OP. H, crack, lisa, libcd. C'est là qu'on va utiliser pour faire le piratage. Donc on va venir sur périphérie, lecteur optique, plus un disque. Voilà, on va chercher notre outil OPS crack. Là, on va cliquer sur OPS crack, cliquer encore sur ouvrir. Donc le OPS crack est monté. Donc on redémarre la machine. Maintenant la machine redémarre avec l'outil OPS crack. Une fois cela est fait, donc si on laisse par défaut, donc il va redémarrer avec pour la première option automatique. Mais on va utiliser la troisième option. OK, ASCRAC. Graphical mode. Graphical. OK, ASCRAC. C'est cette. La troisième option là. OK, ASCRAC. Graphical mode. Le RAM. OP Astra Graphical Mode RAM. Donc ici la souris ne marche pas, on va utiliser les touches de régression. On va descendre avec la touche de régression. On descend. Voilà, on clique sur entrée. Ici, nous supportons PNP ou PCI cap PAN. Donc, c'est la carte SO. On n'a pas besoin de ça. Donc, on clique sur tabulation. On va prendre l'option NO. Ici, c'est cette option-là qu'on va prendre. NO. Et pour déplacer sur NO, on va cliquer sur tabulation. Tabulation et entrée. Donc, on va choisir la langue. C'est France ici, FR, underscore FR, France local, pour France. On va prendre français, entrée. Donc on va prendre notre clavier. Ma machine est assertée, donc je vais prendre QWERTY. Si votre clavier est asserti, vous prenez la première option là, cette première option. DE Latin 1 AZERTY. Si votre clavier est AZERTY. Maintenant, mon clavier est ES, donc je vais prendre la dernière option. ES QWERTY. Entrée. Voilà. Cherche une table. In. Media slash SR0 slash table. Table found. Donc il n'a pas trouvé la base de données SAM. Donc on clique sur entrée. La base de données SAM se trouve ici. On va venir ici sur mes documents. On clique sur mes documents.
On vient ici sur volume. Ici, volume. Volume de la machine. On clique sur volume. Et voici le chemin où se trouve Windows. La base de NSAM ici se trouve dans config qui se trouve dans système 32 et dans Windows. Et ça est là, Windows est là. Le chemin c'est dans slash media slash disk. Il va falloir qu'on retienne ce chemin là. Une fois qu'on est ici, on peut cliquer sur quitter. On peut quitter cette fenêtre. Et maintenant, on va venir sur OP Ascrack. Pour charger la base de données SAM. On vient sur Load. Load. Encrypted SAM, encrypted SAM, la base de SAM se trouve dans slash media slash disk. Ici slash on va dans computer, on clique ici, on cherche media disk. On clique sur Tools. Ok, la base de données SAM se trouve dans slash media disk et dans Windows. Dans Windows, on a système 32. Dans système 32, dans système 32, on a config. Config. Voilà ici le chemin de la base de SAM. Slash media ici. Slash media, slash disk, slash Windows, slash 632, slash config. Après avoir bien se positionné sur cette chaîne-là, donc on clique sur Choose. Donc la base de données SAM est chargée. Je vais le compte ici sur lequel on a oublié le mot de passe. Donc on a fini de charger la base de données SAM. Maintenant on va charger les tables pour faire le piratage. On va venir pour charger les tables, on va venir ici sur tables. Tables, on va prendre Vista Free. On clique sur install. Et maintenant, il va nous dire où est-ce qu'on a les tables. C'est dans computer. On clique ici. Ça est dans media SR0. Dans media SR0. Tables. Il y a écrit ça ici. On clique sur choose. Une erreur, on clique sur OK. La table n'est pas encore installée, et ça, on clique sur Install. Computer. Media. SR0. Tables. Revista. Choose. Voilà. Revista. Choose. Si on voit la table ici, on met un point vert, cela veut dire que la table est installée. La table est installée, donc à partir de cela, on peut cliquer sur OK. Donc la table est chargée. Maintenant, pour faire le piratage ou le crack, on va cliquer simplement sur crack et patienter
connaissance, ça va durer selon la complexité du mot de passe, un peu sur crack. On va attendre un peu. Ici, on a le pourcentage de brute force. Ici, on a les mots de passe privés, on a 4 sur 3. Ici, on a le temps. Voici la barre de progression. Voilà, la progression est finie et il a trouvé le mot de passe. Le mot de passe de test s'est passé. On a trouvé le mot de passe sans l'effacer. Le mot de passe maintenant s'est passé. On a bien vu passer. Les autres utilisateurs n'ont pas de mot de passe. Il a mis en petit. Donc, c'était ça la méthode. La force, Inch'Allah.